Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée à la présidentielle du 7 septembre prochain. Un processus, vous le savez, déjà lancé avec le début hier du vote itinérant. 134 bureaux qui sillonnent bien entendu 51 communes réparties sur 16 wilayas à travers les zones reculées du pays, notamment le sud du pays. Avant le vote itinérant, il y a eu bien entendu le vote de notre communauté installée à l'étranger, le vote entamé depuis 5 jours déjà. Pour en parler et pour évoquer cette élection présidentielle, nous aurons durant une heure, nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à travers les zones reculées du pays pour le vote itinérant, avec une projection bien entendu sur le vote du 7 septembre. On aura également nos envoyés spéciaux et les représentants, les délégués de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, qui chapeaute cette opération à travers les différentes capitales du monde. Nos invités également, notamment monsieur Nasser Khabbat, qui est président du mouvement du développement des Algériens en France. Il sera avec nous au téléphone, et dans les studios Hassan Qassimi, spécialiste des questions géostratégiques et des questions sécuritaires. Hassan Qassimi, bonjour. Bonjour. Hassan Qassimi, nous vous le disions en introduction, bien entendu, de cette émission, une élection présidentielle d'importance, une élection présidentielle, une consultation populaire d'importance. En guise d'introduction, revenons sur toute la portée de cette élection cette année, quand on sait qu'il y a des acquis justement à préserver, et c'est une élection qui intervient dans un contexte régional et international des plus complexes. Oui, effectivement, vous avez raison. Nous sommes dans la dernière ligne droite. La campagne électorale a été achevée le mardi à minuit. Et bien sûr, nous allons dans quelques jours, c'est-à-dire le 7 octobre, aller aux élections présidentielles. Donc c'est une élection sur laquelle il y a des enjeux primordiaux, des enjeux nationaux. Et aussi, c'est une élection qui intervient, comme vous l'avez si bien dit, dans des conjonctures régionales et internationales qui sont très difficiles et bien sûr qui posent en plus des défis très importants. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que en préliminaire et comme introduction, que c'est une élection présidentielle, c'est, on peut l'appeler, pour un peu casser un peu toutes ces campagnes de dénigrement qui sont en train de fleurir tout autour de nous, mais malheureusement sur des tas de fumée. Et là, des tas de fumier, d'accord. Donc là, croyez-moi, c'est une élection de l'espoir. C'est une élection de l'espoir parce que la population algérienne attend beaucoup. Les attentes sont fortes, sont importantes. Et aussi, bien sûr, nous allons peut-être tout à l'heure en parler des différents aspects de cette élection présidentielle, sur laquelle nous reviendrons peut-être sur la campagne électorale, les points forts de cette campagne électorale, qui ont été bien sûr menés avec brio, avec beaucoup d'ardeur, par les trois candidats qui ont sillonné le pays. Et ça s'est terminé le jour de la fin de la campagne électorale. Il y a eu trois meetings à Alger qui ont permis de clôturer cette campagne électorale. Et justement, on reviendra certainement sur les discours développés par les trois candidats à la présidentielle, les dénominateurs communs, les constantes en termes de politique qui ont été confirmées, même bien entendu si les approches diffèrent d'un candidat à l'autre. Et au-delà, justement, cette élection a une portée également internationale, puisqu'il y a le vote de notre communauté nationale établie à l'étranger. Avec nous, justement, pour en parler, Nasser Khabbat. Nasser Khabbat, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes président du MODEF, le mouvement du développement des Algériens en France, justement la France où se trouve le bassin électoral le plus important de notre communauté établie à l'étranger. On va un petit peu avancer dans le débat. Le vote des Algériens établis à l'étranger est important, mais il faut savoir aussi que cette communauté peut représenter des bases avancées justement pour préserver et défendre les intérêts du pays.
Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, plus que jamais, la citoyenneté algérienne trouve tout son écho dans la communauté nationale des Algériens vivant en France et dans le monde aussi. Mais de par son nombre, de par son histoire et de par son récit, les Algériens de France sont très attachés naturellement à la mère patrie, mais très engagés aujourd'hui sur la question politique de tous les liens qui peuvent unir la mère patrie. Parce qu'aujourd'hui, d'être Algérien et citoyen algérien, c'est aussi faire face à des réalités politiques, géopolitiques. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un éveil des consciences dans notre algérianité, à travers notre culture, à travers notre histoire, à travers notre religion, à travers notre récit, mais aussi à travers notre politique actuelle. Et je crois qu'aujourd'hui, d'aller voter symbolise et cristallise un acte qui est pleinement engagé, pleinement conscient et pleinement un signal fort à ceux et à celles qui nous observent et qui pourraient douter de notre citoyenneté algérienne d'une manière complète avec naturellement une âme du 1er novembre 54, ce que j'aime à appeler, comme tous les Algériens, Rouh al-Watani. Bien entendu, Nasser Khabbat, vous restez avec nous pour développer toutes ces questions. Et nous vous disons qu'au début de cette édition, le processus est déjà entamé, notamment avec, bon, bien entendu, le vote de notre communauté installée à l'étranger, mais également le vote itinérant, le vote qui permet justement à tous les Algériens habitant les zones reculées du pays de pouvoir effectuer et accomplir leur devoir électoral. Pour en parler dans cette édition, action première escale, la Saoura, Béchar, où se trouve notre envoyé spécial, Hamza Rahmouni. Hamza, bonjour. Walid Selman, bonjour. Trois bureaux itinérants sont déjà opérationnels depuis 24 heures au niveau de la wilaya de Béchar pour permettre à la population nomade d'exercer leur droit électoral. Alors, pour ce qui est des trois bureaux, le premier bureau, à savoir le bureau numéro 1 qui se trouve à Zousfana, situé à 75 km à l'est de la wilaya de Béchar, où on trouve 453 électeurs inscrits. Pour ce qui est des deux autres bureaux itinérants, qui sont déjà opérationnels, on a le bureau numéro 2 qui se trouve au niveau de la daïra de Bniounif à 120 km à l'ouest de la wilaya, précisément au niveau du village de Fendi, tandis que le bureau numéro 3 qui se trouvant également au niveau de la daïra de Bniounif, précisément au niveau de la localité de Oued Nemous, le village de Boussir. Au niveau de la daïra de Bniounif, on décompte 1294 électeurs. On va parler donc de cette opération qui se déroule depuis 24 heures avec le délégué de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Germani, pour le suivi de l'opération. بالفعل كما اشرتم كنا البارح انطلقنا في ثلاث مكاتب متنقله بولايه بشار اثنين منها ببلديه بني منيف ومكتب اخر ببلديه بشار وفي الغد ان شاء الله عندنا مكتب في بلديه العبادله الامور تم لها تحضير من قبل من جانب الجانب اللوجستيكي من نقل من اطعام من توفير كافه وسائل الاتصال وغيرها لحد الساعه بعد 24 ساعه لا تزال الأمور تجري في ظروف جد عادية وسط ظروف جد محكمة ومنظمة. Alors, et par rapport également aux conditions climatiques qui sont difficiles, il n'y a pas eu de problème? Il n'y a pas de problème. Jusqu'à لحد الساعة لم نسجل أي اعتراض أو أي إشكال يعني اللي يسير القافلة اللي راح تعمل على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي اللي متواجدين خارج البلدية. Donc il y aura demain le bureau itinérant numéro 4 qui partira dans la matinée à destination de la daïra de Abadla, située à 98 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Béchar, où on décompte 185 électeurs inscrits. Également, la délégation de l'autorité nationale indépendante des élections au niveau de la wilaya de Béchar a organisé une journée de formation pour les 436 encadreurs mobilisés pour les élections du 7 septembre, c'est-à-dire pour le jour J. C'est une projection sur le jour J, Hamza. Tout à fait, une projection sur le jour J. Donc, je disais 436 encadreurs mobilisés pour encadrer le scrutin présidentiel. Alors, Monsieur Mohamed Jalmani, comment s'est déroulée cette journée de formation et quelles sont les explications et les directives qui ont été données à ces encadreurs?
قبل ما نصل إلى تكوين رؤساء المكاتب والمراكز اللي يشرفوا العملية الانتخابية، كان سبقها تكوين نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن طريق الفيديو كونفرنس، عن طريق التحاضر المرئي، ودرنا تكوين للمكونين. بعدها انطلقنا في مجموعة من التكوينات على مستوى كل البلديات، الهدف منها أن نتمكنوا من تأطير الرؤساء المكاتب والمراكز والكتاب حتى يكونوا في الموعد ويكون عندهم كافة المعلومات الضرورية في كيفية سير العملية ككل، وخاصة في ما يتعلق بالمحاضر والإحصاء والفرز وغيرها من العمليات اللي ضروري أن رئيس المكتب ورئيس المركز يكون يعرفها ويكون يمارسها على أحسن ظروف حتى يمر اليوم الاقتراع في ظروف جد حسن. Voilà donc une démarche pour assurer le bon déroulement de ces élections présidentielles pour le jour J, précisément le 7 septembre. Merci à vous, Hamza Rahmouni, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Béchar. Le vote itinérant, nous l'évoquerons un peu plus tard. Direction tout de suite l'Espagne, Palma plus précisément, pour parler justement avec le représentant de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections en Espagne, qui est en tournée. Il se trouve actuellement à Palma et nous allons essayer de l'avoir. Il a des obligations, justement. Donc, si on devait l'avoir, c'est maintenant. On a 3 minutes pratiquement pour pouvoir évoquer la question avec Monsieur Rally El-Hajj Mohamed. Je rappelle Rally El-Hajj Mohamed, qui est le représentant de l'ANI en Espagne. Hajj Mohamed El-Rally, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes actuellement à Palma. Vous avez fait un petit peu la tournée des villes en Espagne. Quelle est la nouveauté aujourd'hui et quel est le pouls justement de cette élection en Espagne? Exactement, monsieur. On fait la tournée. On a déjà fait le nord d'Espagne et maintenant on se trouve à Palma de Mallorca. À notre surprise et en comparant aux échéances antérieures, Palma de Mallorca, maintenant, a dépassé le seuil de 84 votants. C'est un chiffre très, très important pour nous, vu que la communauté algérienne, elle n'est pas vraiment omniprésente comme à Barcelone ou comme sur la péninsule. Donc, les prévisions sont vraiment, vraiment positives. Alors, oui, monsieur Rally, oui. Oui, donc les prévisions sont positives, il y a vraiment une présence familiale, il y a beaucoup de gens qui viennent pour voter et ça fait chaud au cœur. Il y a une sensibilisation qui est vraiment, elle est due au travail de terrain qu'on a fait déjà, en impliquant le mouvement associatif algérien, en impliquant la société civile et aussi la collaboration et la coordination vraiment étroite entre l'ANI et les services consulaires de Barcelone. Monsieur le Rally, il y a un aspect également très intéressant et très important à rappeler lors de cette élection présidentielle. Au-delà du travail de sensibilisation, de communication qui a été effectué, on l'a remarqué, la multiplication des bureaux de vote justement au niveau des différentes capitales et des villes importantes, justement pour permettre de rapprocher justement les bureaux de vote de notre communauté installée à l'étranger et de là leur faciliter l'acte de voter. Et de là, bien entendu, renforcer cette volonté, ce lien, consolider ce lien avec le pays et permettre également une participation importante. Bien sûr, donc effectivement, la prolongation des jours de vote est liée effectivement à la présence des bureaux de vote qu'on a. Si on parle du département électoral de Barcelone, il comprend 7 bureaux de vote qui sont vraiment fixes, c'est-à-dire c'est des bureaux de vote statiques. On n'a pas un bureau itinérant, c'est juste pour faciliter à la communauté algérienne de s'exprimer dans les conditions propices et être vraiment proche d'eux. Et là, on a été vraiment surpris par la présence, si je donne l'exemple par exemple de Saragosse, à première heure du matin, c'est-à-dire on ouvre le bureau vers 8 heures, et là, il y a des gens qui viennent pour s'exprimer leurs droits électoraux. Vis-à-vis au présidentiel anticipé 2024,
le sens de nationalisme, le sens du patriotisme et même la vision a beaucoup changé. Et vu les moyens qu'on a déposés pour réussir cet événement, ont donné leurs fruits. Eh ben, merci à vous, Hadj Rally Mohamed. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Palma de Majorque en Espagne. Vous êtes le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections. Vous avez été avec nous depuis l'Espagne. Et puis, direction Naama avec notre envoyé spécial, Hassan Chemash. Hassan Chemash, bonjour. Bonjour. Qu'en est-il du vote itinérant dans la wilaya de Naama, amorcé hier déjà? Alors, le vote itinérant a débuté ce matin à partir de 8 heures au niveau des 9 bureaux de vote que compte la wilaya de Naama. Nous sommes allés justement le matin au niveau de la commune Asla, à 45 km du chef-lieu. Nous avons rencontré des électeurs. Ils ont accompli leur devoir électoral dans d'excellentes conditions. Cette wilaya, l'Aïd Houa, cette wilaya agro-pastorale qui connaît un développement ces dernières années, compte plus de 320 000 habitants. Pour le vote du 7 septembre, pour les élections présidentielles, la wilaya compte plus de 176 000 inscrits. Selon le représentant de la délégation de l'autorité nationale des élections, tous les moyens ont été mis en place pour assurer un bon déroulement des élections le 7 septembre. Ah, merci à vous, Hassan Chemash. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Naama. Je rappelle que pour le vote itinérant, c'est sur 3 jours, mais tout dépend bien entendu de la densité ou du nombre d'électeurs dans chaque wilaya. Il y a des wilayas qui ont commencé et qui ont entamé le processus hier, d'autres c'est sur 48 heures, d'autres wilayas, ça sera bien entendu sur une journée. Et à propos justement du vote itinérant, Hassan Qassim, rebonjour, je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui et vous êtes spécialiste des questions géostratégiques mais également des questions sécuritaires. On va faire un petit peu dans la pédagogie, au-delà bien entendu de ces bureaux de vote et de ces caravanes qui se sont ébranlées dans le Grand Sud pour permettre aux citoyens algériens d'effectuer et d'accomplir leur vote électoral. Il y a une dimension politique, c'est un vote qui permet aux Algériens de voter, mais également c'est la preuve également d'une autorité sur l'ensemble du territoire national. C'est une portée extrêmement politique également. Vous devez savoir que d'abord c'est un organe tout à fait indépendant qui organise les élections et qui supervise les élections. Ce n'est plus l'administration comme cela se faisait avant 2020 qui organise et encadre les élections. Donc là, c'est un gage d'abord d'équité, c'est un gage de transparence et c'est aussi un gage de neutralité devant consacrer absolument la volonté du peuple. Donc, il est très important. Et dans ce processus d'organisation des élections qui est encadré par une autorité indépendante, il y a au-dessus de l'autorité indépendante, il y a le tribunal administratif, le tribunal constitutionnel. D'abord, vous devez savoir que c'est le tribunal constitutionnel qui publie la liste définitive, qui adopte la liste définitive des candidats, et c'est le tribunal constitutionnel qui proclame les résultats et qui donne la cour constitutionnelle. Le tribunal constitutionnel qui donne un peu de toute cette légitimité et légalité à ces élections. Maintenant, c'est important, les enjeux sont là. Et si je dois revenir au vote des bureaux itinérants, il faut expliquer à ceux qui ne connaissent pas un peu la situation, c'est que d'abord, nous avons un grand territoire, et particulièrement au niveau des wilayas. C'est un pays continent. Et un pays continent, 2 393 000 km², c'est l'équivalent de 15 pays, un peu plus de la superficie de 15 pays de l'Union européenne. Donc vous voyez à peu près les enjeux, les défis, et les moyens humains, matériels,
Et aussi sécuritaire, parce qu'il faut assurer la sécurité de ce scrutin. Donc, vous voyez à peu près l'immensité des moyens à mobiliser pour garantir un scrutin qui se déroule dans la transparence. Donc, voilà, je vous dis une chose, c'est que ces bureaux itinérants, le nombre des bureaux a été réduit drastiquement. C'est très important pour la simple raison que l'administration se redéploie au niveau des territoires. Il y a un rapprochement de l'administration des administrés, ce qui fait que les bureaux de vote itinérants sont intégrés dans des centres de vote de manière tout à fait classique, ce qui fait que le nombre de bureaux itinérants a été réduit de manière très D'ailleurs, la importante. création de nouvelles wilayas, justement, découle de cette logique. Bon, enfin, vous savez très bien que la création des nouvelles wilayas, c'est d'abord se redéployer sur des territoires immenses, rapprocher l'administration de l'administré et aussi assurer la sécurité du citoyen contre l'État. Et vous devez savoir, je vais revenir à un principe fondamental de la Constitution concernant la décentralisation. La décentralisation, c'est une articulation entre des mécanismes de déconcentration et de décentralisation qui font que cette harmonie dans le partage des pouvoirs entre les élus et les représentants de l'État. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts encore à fournir. Et vous avez entendu dernièrement les déclarations du ministre de l'Intérieur, M. Belled, disant qu'il y a un projet de découpage administratif Tout à fait. devant créer plus d'une centaine de wilayas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une très, très grande réforme. Et là, nous, on s'inscrit dans la réforme des collectivités locales où il faut absolument occuper le terrain. Parce que vous devez savoir que sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'ordre public, sur le plan géostratégique, les territoires qui ne sont pas occupés, cela veut dire que l'État n'est pas présent. Et quand l'État n'est pas présent sur des territoires, c'est des entités informelles qui viennent s'installer et qui sont illégales d'ailleurs, et qui ont pour ambition de concurrencer l'État sur des territoires. Et c'est là, porte ouverte à tout, bien sûr, à tous les risques, subversion, contrebande, criminalité transnationale, spéculation. Enfin, là, l'État est en train de se renforcer, de renforcer sa présence de manière très forte au niveau, à l'exemple, bien sûr, nous avons entendu tout pratiquement les discours des trois candidats. Si vous voulez qu'on aborde ce point ou qu'on le laisse à tout à l'heure, C'est le silence électoral, faut très pas bien, l'oublier. d'accord. Donc, effectivement, vous avez raison que la campagne électorale est achevée et nous passons dans une phase où, dans 3 jours, il y aura des élections présidentielles qui vont se dérouler. Et il faut aussi noter, c'est très important, que la campagne électorale s'est déroulée dans de très bonnes conditions, le calme, la sérénité et aussi la préoccupation. Nous avons entendu, d'ailleurs, vous avez très bien couvert cette période à travers tout ce que vous avez fait comme documentaire, comme interview, de déplacement sur le terrain. Cela nous a appris, bien sûr, de connaître les préoccupations du citoyen, les attentes des citoyens qui sont très très fortes, des citoyens. Et là, le président qui sera élu, bien sûr, aura certainement développé durant cette période beaucoup beaucoup d'écoute pour permettre par la suite donner des suites aux attentes du citoyen. D'accord, nous restons bien entendu, on va développer encore plus et poursuivre notre travail didactique par rapport à ces votes itinérants. Mais avant cela, retour justement sur le vote de notre communauté nationale établie à l'étranger, direction Montréal, au Canada, avec notre correspondant en permanent, Tarek Loumassine. Tarek, bonjour. Oui, bonjour à vous, Walid Salman, bonjour à tous nos auditeurs, également à vos invités. Alors, une question, bien entendu, elle est très simple. Comment se déroule le vote de notre communauté à Montréal? À Montréal, qui a été depuis très longtemps une destination très prisée par les Algériens. D'ailleurs, un dispositif particulier a été mis en place ici à Montréal. On rappelle qu'il y a 12 519 inscrits sur les listes électorales, une opération qui a débuté lundi dernier avec un dispositif assez large. Il y a cette nouveauté avec de nouveaux bureaux qui ont été ouverts en collaboration avec les autorités canadiennes. Ici, dans la province du Québec, il y a
un bureau à Québec, c'est une première. Il y a un bureau à Laval, deux à Montréal, sans compter les deux autres bureaux qui se trouvent dans la province de l'Ontario, notamment dans la capitale fédérale à Ottawa et puis également à Toronto. Donc voilà, c'est un dispositif particulier. On est passé de trois bureaux lors de la précédente des précédents votes à six. Et la communauté algérienne ici au Canada ne fait qu'augmenter hein, depuis des années. Et on envisagerait hein, éventuellement lors de prochains scrutins de pouvoir ouvrir d'autres bureaux, notamment dans des villes de l'Ouest comme Vancouver. Ah, justement, Tariq Loumassine, vous l'évoquiez à l'instant, le nombre de bureaux de vote a augmenté. C'est un sentiment de satisfaction pour notre communauté. C'est des votes qui, c'est des bureaux qui rapprochent justement les votants de l'acte de voter, d'où certainement cette satisfaction. Ce sont des distances qui ont été écourtées, raccourcies. Tout à fait, hein, il faut le rappeler. Que le Canada est un territoire immensément grand, que la diaspora algérienne est présente essentiellement à Montréal, mais pas que. Il y a des Algériens un peu partout au Canada. Et le défi de l'Autorité nationale indépendante des élections, c'était de pouvoir rapprocher les électeurs des bureaux de vote pour qu'ils puissent effectuer leur devoir électoral dans cette période. C'est une élection présidentielle, c'est un moment important. Et les Algériens qui sont ici au Canada, même s'ils sont loin en termes de distance de l'Algérie, ont toujours cet attachement au pays et ils se déplacent pour aller voter. Même si ça a été relativement calme, nous sommes en plein milieu de la semaine, les gens travaillent, ils se rendent au bureau de vote après avoir quitté leurs emplois pour se rendre. Les bureaux de vote sont ouverts, je le rappelle ici, de 8h du matin jusqu'à 19h et c'est une opération qui va se poursuivre jusqu'à samedi. Et samedi, on s'attend à une participation plus forte puisqu'il s'agira tout simplement d'un jour de week-end et donc les Algériens pourront se déplacer plus nombreux pour choisir leur prochain président de la République. Merci à vous, Tariq Loumassine. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Montréal. Je me tourne encore une fois vers vous, Hassan Qassimi, justement pour évoquer le vote de notre communauté nationale établie à l'étranger. Au-delà de l'acte de voter, il y a une portée, c'est une communauté, c'est des bassins électoraux effectivement qui sont très importants dans certaines capitales et qui représentent également des bases avancées pour défendre les intérits du pays. Je crois c'est un prolongement de la nation. Vous venez de poser une problématique très importante et très forte. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus maintenant au niveau des concepts, au niveau de la formulation des appellations, nous ne sommes plus dans l'appellation communauté algérienne à l'étranger. Nous ne sommes pas montés en termes qualitatifs d'un niveau plus important. Pour la simple raison que maintenant, nous avons une diaspora. Il faudrait parler de la diaspora algérienne. Quand on parle de diaspora, ça veut dire que nous sommes en train de mettre en place des mécanismes, nous sommes en train de mettre en place une organisation et nous sommes en train de constituer les fondements d'un puissant levier d'influence à l'étranger pour le compte des intérêts stratégiques de l'Algérie. Et là, l'Algérie a besoin de cette communauté à l'étranger qui constitue une partie importante de la population algérienne. Et ça, il faut le dire, il faut le rappeler, cet été, durant la saison estivale, les Algériens vivant à l'étranger sont arrivés massivement dans leur pays. Et là, il y a eu des mesures très fortes qui ont été prises en faveur de cette communauté algérienne vivant à l'étranger. Et là, les passerelles sont là, elles existent, et il faudra absolument investir dans ce domaine. Et je vais vous dire qu'il y a de forts lobbies ailleurs qui sont moins importants que ça, et qui ont été organisés, qui sont installés un peu dans tous les pays du monde. Et là notre communauté algérienne existe, elle est forte, elle est présente, elle est influente. Et aussi, nous avons, il faut le dire, ce n'est pas négligeable, c'est que nous avons une diaspora d'élite aussi, qui travaille pratiquement dans des secteurs de pointe, dans des secteurs technologiques, scientifiques, industriels. Et là, tout l'apport de cette communauté algérienne à l'étranger ne serait que bénéfique, ne serait que un plus-value
pour la force future de l'Algérie qui doit bien sûr répondre à des défis et doit défendre à des exigences du présent. Il faut parce que il faudrait absolument prendre en charge les problématiques du présent, mais aussi préparer les problématiques du moyen et du long terme. Et là, nous ne devons absolument pas oublier que sur le plan démographique, nous avons l'équivalent dans une décennie, nous avons à peu près 10 millions d'Algériens qui seront les bienvenus, les nouveau-nés, qui auront dans un certain âge, seront jeunes dans 10 ans. Et là, il faudrait préparer cette échéance pour mettre en place toutes les organisations, mettre en place toutes les politiques publiques, mettre en place toutes les stratégies. Et là, vous devez savoir que la force d'une institution, que la force d'un État, ce n'est pas uniquement sa résilience, c'est aussi son organisation, la capacité d'anticiper. La capacité non seulement d'anticiper, mais la capacité de prendre en charge les attentes dans le temps réel, les attentes du citoyen. Et ce sont là tous les grands défis qui se posent à nous et que nous devons prendre en charge. Bien sûr, l'Algérie a des ressources humaines, a des moyens, et nous avons les capacités de faire face à tous ces défis. On va y revenir justement sur le rôle que peut jouer notre communauté installée à l'étranger en termes notamment de lobbying. Mais avant cela, direction encore une fois le sud du pays, El Oued, où se trouve Fatah Boumahdi. Fatah Boumahdi, bonjour. Bonjour Walid. Et comment se déroule le vote itinérant? Les caravanes des bureaux de vote s'est ébranlé depuis hier déjà pour permettre aux Algériens habitant les contrées lointaines d'accomplir leur devoir électoral. Alors écoutez, pour l'Ouest, ça a commencé ce matin. Nous avons assisté ce matin à 8 heures au vote itinérant qui a débuté dans la wilaya d'El Oued. 6 bureaux de vote ont été ouverts aujourd'hui pour que les citoyens puissent voter 48 heures à l'avance. Nous avons débuté avec la commune de Saleh Belaabi au niveau des frontières tunisiennes. Ensuite, deux autres bureaux à Doha Olma et deux autres supplémentaires à la commune de Benfish. Nous avons constaté que tous les moyens matériels, humains et logistiques ont été mobilisés. Les convois de l'autorité nationale indépendante des élections étaient sur place pour garantir le bon déroulement de cette opération. Les bureaux ont accueilli les citoyens. Dès l'ouverture, d'ailleurs, les citoyens ont justement commencé à affluer les bureaux pour accomplir leur devoir électoral. Tout âge confondu, nous avons assisté au premier vote, malgré des conditions climatiques instables, étant donné qu'il y a un léger vent de sable accompagné de quelques averses. Et pour ce qui est des bureaux de vote itinérants qui ouvriront demain leurs portes, soit 24 heures avant le scrutin officiel, il y en a 11. Nous citons à titre d'exemple El Minouenta et Hachir Lipa, et ce qui fait un total de 21 bureaux de vote itinérants ici même à la wilaya d'El Oued. Quant au corps électoral, il est de 11 068 électeurs. Eh ben merci à vous. Fatah Boumahdi, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis El Oued, au sud-est du pays. Une nouvelle trajectoire vers l'étranger, direction Rome. Rome, justement, où le processus électoral se poursuit à travers les instances consulaires, nous dit l'envoyé spécial de la radio nationale, Ahlam Gmaz. Dans un contexte de participation croissante des membres de la communauté au bureau de vote, une participation accrue a été enregistrée. انا نفوتي باش تطور بلادي ومام طون ازدهار للبلاد وماذا بينا الجزائر دائما تكون الفوق كجاليه جزائريه هنايا فوتي حق شرعي فوتي لازم ننتخبوا على البلاد لازم ننتخبوا انا جزائري مقيم بروما احنا نسناو دائما الخير ونتفائلوا الخير وهذه التجربه هذه ان شاء الله اللي اكتسبناها هنا في البلاد هذه وخدمنا في ايطاليا هذه ان شاء الله ندوها للجزائر ونعلموا بها اولادنا وان شاء الله تكون خير على خير جينا اليوم السفاره تاع الجزائر بايطاليا روما بالضبط باش نديروا الواجب تاعنا هذا على الاقل ولاد الجزائر نموتوا عليها وحنا لازم نكونوا الاولى في الصف نستناو الخير دائما الخير للبلاد وفي العلالي ما تعليها الشيء هذا ونموتوا عليها احنا ثاني تحيه للجزائر Le collège électoral de la communauté nationale inscrite à Rome comprend un total de 6737 électeurs et électrices répartis entre plus que 3000 inscrits au consulat général à Milan dans le nord du pays et 1480 électeurs au sud et 1400
267 inscrits à l'ambassade d'Algérie à Rome. Toutes les capacités mobilisées. Ahlam Gmez, l'envoyé spécial de la radio algérienne à Rome, l'Italie. Voilà, nous évoquions à l'instant avec l'envoyé spécial de la chaîne de la radio nationale à Rome, le processus et les déroulements justement de l'élection ou du vote de nos des Algériens installés en Italie. Vous l'évoquiez avant cela, le rôle de notre communauté installée à l'étranger. Il faut savoir aussi, vous le disiez d'ailleurs, qui sont dans les postes de direction au niveau des grandes multinationales, mais également il y a des binationaux qui sont aux commandes ou au sein des centres de décision et qui peuvent jouer énormément et apporter énormément à l'Algérie. Oui, effectivement, vous avez raison. Vous savez que maintenant, les horizons se calculent en matière de gouvernance et de stratégie sur les prochaines décennies, c'est-à-dire à l'horizon 2030-2050, c'est-à-dire quels sont les moyens que nous devons mobiliser, quelles sont les politiques publiques que nous devons mettre en place pour permettre de réaliser nos objectifs stratégiques à l'horizon 2050. Vous devez savoir que les temps seront plus durs pour les décennies à venir, pour la simple raison que le monde, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont pratiquement des études scientifiques qui le disent, il y a d'abord sur le plan naturel des situations de variations climatologiques qui seront très intenses, très fortes, qui vont provoquer des changements qui vont bouleverser les économies locales. Et là, pour ce qui est de l'Afrique, je voudrais un exemple, l'Afrique, et bien sûr, bien entendu, quand je parle de l'Afrique, je parle aussi de l'Afrique du Nord, que c'est un continent qui a connu une montée de la chaleur de 0,5 centigrades sur les 10 dernières années, et qui nous permettent de dire que l'Afrique, le continent africain, s'est réchauffé un peu plus que le reste du monde. Et là, les conséquences sont dramatiques. Pourquoi les conséquences dramatiques? Parce que sur le plan économique, il y a des impacts économiques qui vont réduire, selon les économistes qui ont donné ces chiffres, des organisations internationales, bien sûr, qui disent que ce sera à peu près une réduction du PIB de l'équivalent de 5 à 10%, et c'est énorme. Pour faire face aux cataclysmes, pour faire face aux inondations, aux feux de forêt, à la sécheresse, et il va falloir réduire le PIB de ces pays de 5 à 10%. Et là, c'est énorme pour pouvoir faire face à ces changements et prendre en charge, bien sûr, les nouveaux besoins des populations. Donc, les enjeux sont là. Et la deuxième analyse concernant ces transformations sur le plan géostratégique, de savoir que pour les prochaines décennies, les conflits sur le plan interethnique sur le continent africain et interraciaux vont prendre beaucoup plus d'ampleur, et ce qui fait que quand on a la conjugaison de facteurs naturels plus de facteurs endogènes qui vont avoir des impacts malheureusement très forts sur le fonctionnement des États. Et c'est là où, si on doit revenir à l'Algérie a déjà mis en place des stratégies publiques pour prendre en charge toutes ces transformations climatologiques qui sont bien sûr négatives pour la croissance et le développement, et prendre en charge aussi la stabilité de la société en luttant de manière très forte contre la haine raciale, contre l'incitation bien sûr au racisme, à la ségrégation, et tous ces cadres juridiques ont été mis en place qui permettent de faire que l'Algérie ne subit pas toutes ces crises politiques qui existent sur le continent africain et que l'Algérie ne subit pas. Et d'ailleurs, c'est à notre honneur et c'est à notre, bien sûr, avantage que l'Algérie soit épargnée et soit à l'abri de cette turbulence, bien sûr, qui sont de caractère exogène, de faire exploser ces sociétés. Et là, si on devra discuter de tout ça, il y a d'autres théories sur lesquelles peut-être j'essaierai d'intervenir, où des mesures ont été prises qui sont très fortes, en matière de résilience, en matière de gouvernance, en matière, bien sûr,
de sécurité et d'ordre public qui ont permis de garantir à l'Algérie une stabilité et de mobiliser nos moyens pour aller lancer un développement d'avenir. D'ailleurs, le constat que nous avons établi à l'entame de cette émission, nous avons des acquis à préserver, d'où justement toute l'importance de cette élection présidentielle aujourd'hui. Et vous l'évoquez également, l'Algérie est également sur le plan régional. C'est tout le monde le dit, il y a unanimité là-dessus. C'est une constante d'ailleurs dans notre politique étrangère. C'est un pays exportateur de paix. Je vais vous dire une chose. C'est très important parce que quand nous avançons sur un terrain sûr et que le développement nous imprime un rythme accentué, un rythme très fort au développement et à la croissance et aux réformes. Et là, vous avez pratiquement à côté des tireurs au flanc qui continuent malheureusement, les tenants d'un néocolonialisme violent, primitif, barbare, qui continue à nous empêcher de réaliser nos objectifs stratégiques. Ça, c'est connu, ce qui explique qu'au niveau de la justice, vous avez des affaires très importantes où ces personnages qui sont dans la subversion, qui essayent d'allumer le feu comme des pyromanes chez nous en Algérie. Mais vous avez vu aussi dernièrement la cellule de l'espionnage qui a été démantelée à Tlemcen. Vous avez vu aussi à Akbou, au niveau du à Béjaïa, au niveau du port de Béjaïa, le réseau du MAC voulant faire entrer en Algérie des armes de guerre pour essayer d'organiser des attentats le jour du scrutin. Et là, croyez-moi, que c'est des scénarios qui se développent sur le terrain. Et là, ce que nous pouvons dire est rendre hommage à nos services de sécurité qui mobilisent beaucoup de moyens actuellement. Et nous avons entendu d'ailleurs notre chef d'état-major, M. Shingriha, dire que toutes les conditions, tous les moyens ont été mobilisés pour sécuriser le scrutin dans le temps et dans l'espace. Et là, croyez-moi, l'Algérie avance de manière très forte. L'Algérie est en train de réaliser des objectifs et vous avez vu des scores où l'Algérie pratiquement sur beaucoup de secteurs est classée dans le peloton de l'excellence des trois premiers. Justement, si l'Algérie est dans le collimateur aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un pays qui dérange. Vous savez que l'Algérie, je vais encore être plus fort et je ne vais pas être prétentieux d'ailleurs sur ce point, pour vous dire que l'Algérie, c'est actuellement avec bien sûr l'Afrique du Sud, le Nigeria, nous sommes la locomotive du continent africain surtout. Et ce qui explique aussi qu'il y a une volonté de vouloir arrêter la locomotive de l'Algérie pour l'empêcher d'aller vers un développement intra-africain. Et vous avez vu ce qui se passe actuellement dans le Sahel. C'est des ingérences qui sont effroyables, des ingérences étrangères qui sont insoutenables et que l'Algérie d'ailleurs a condamné au plus haut niveau des institutions politiques et même au sein du Conseil de sécurité, que nous devons absolument stabiliser le continent africain et revenir à la doctrine de l'Union africaine de sécuriser et de développer. Nous aurons à y revenir, bien entendu, Hassan Qassimi, mais avant cela, direction Bruxelles, avec nous, le correspondant permanent de la radio nationale à Bruxelles, Lahbib Ben Safi, bonjour. Bonjour. Alors, c'est cinquième jour de vote. C'est le quatrième jour. Oui. Oui, voilà. A commencé lundi. Tout à fait. Et donc, la communauté se dirige bon an mal an vers les bureaux de vote. Vous savez qu'en Belgique, il y a 8 bureaux de vote qui sont éparpillés tout le long du territoire. À Gand, à Bruxelles, à Charleroi, enfin dans tout le territoire, il y a 8 au total. Et donc la communauté est assez impliquée dans ce scrutin. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'avais cru il y a un jour ou deux qu'il y avait moins de monde, mais finalement, il y a beaucoup plus de monde que prévu. Et ils viennent avec enthousiasme. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, on voit ça de plus en plus d'ailleurs, c'est que tous les Algériens qui viennent ont tous un symbole algérien, soit un porte-clés avec les couleurs nationales, soit comme le gars que j'ai interviewé tout à l'heure, il portait une écharpe, d'autres avec les t-shirts de notre équipe nationale, etc. Mais il y a un enthousiasme que je n'ai pas vu auparavant, ni aux dernières élections, mais toujours est-il que cela se passe dans le calme, dans la sérénité et dans la paix, je dirais même qu'il y a une certaine convivialité à l'intérieur du bureau de vote. Voilà, donc ça se passe très très bien et ça continue.
Eh ben merci à vous, Habib Ben Safi. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes le correspondant permanent de la radio nationale. De Bruxelles, retour chez nous, l'extrême sud du pays, le point Atamannala 7 avec Badi Lakhdar. Il est le délégué de l'ANIL, l'autorité nationale indépendante des élections sur place. Nous avons 19 bureaux itinérants où le vote a débuté mercredi matin dans de bonnes conditions. Il concerne les communes de Tamanra 7, Abelsa, Idlus, Tazrout, Imgul. Le nombre des électeurs dans ces 19 bureaux est de 14 500 nomades. Nous avons déployé les moyens nécessaires pour le bon déroulement des opérations de vote, notamment des véhicules tout-terrain. Et Salim Brahimi, notre envoyé spécial à l'Arwat, après bien entendu avoir écouté Badi Lakhdar, le représentant de l'ANI direction Wirgla, où se trouve notre envoyé spécial Salim Brahimi. Salim Brahimi, bonjour, vous avez été le premier, rappelons-le, à intervenir pour le vote itinérant dans nos éditions, c'était hier à l'entame de l'opération. Comment se déroule cette opération et la caravane des bureaux de vote qui s'était branlée depuis hier pour permettre à tous les citoyens algériens habitant les contrées lointaines de ce vaste espace national d'effectuer leur devoir électoral? Bonjour Walid. Le scrutin pour ces bureaux itinérants se déroule dans de bonnes conditions. J'utilise le terme qu'a employé le représentant de l'ANI sur place, puisqu'il s'agit d'une énorme, je dis bien énorme, j'insiste là-dessus, distance et de territoire qui s'étend à la commune de El Borma. La commune d'El Borma se trouve à plus de 420 km du chef-lieu de Wirgla, qui s'étend jusqu'aux frontières tunisiennes. Il s'agit de territoires arides et très chauds, il fait très chaud là-bas, donc la délégation envoyée là-bas de l'ANI a dû se munir de 38 véhicules 4x4, et ce pour que les nomades qui habitent ces territoires puissent accomplir leur devoir d'élection. Et en ce moment, nous avons reçu le dernier taux qui a été pu relever par la délégation de l'ANI. Il s'agit de 17,88 personnes qui ont voté. Ces personnes relèvent du corps électoral des votants itinérants, qui est total de la commune d'El Borma de 11 257. Les élections se poursuivent au niveau de ces 6 bureaux itinérants. Je vais les citer, ces 6 bureaux qui dépendent de la commune d'El Borma: El Keskasa, El Gelta, Bir El Abch, Roud El Bagl, Arhout et Hassi Berkin. Donc ces 6 bureaux itinérants qui sont en train justement de sillonner ces territoires encore et toujours jusqu'au dernier jour qui sera le 7, où ils rentreront au niveau central pour commencer le dépouillement. Eh ben, merci à vous, Salim Brahimi, pour toutes ces précisions. Vous nous avez mis un petit peu dans le contexte de cette opération, notamment avec cette machine qui a été mise en place. Vous le disiez à l'instant, dans des conditions climatiques des plus rudes, avec de grosses chaleurs, 38 voitures 4x4 mobilisées pour cette opération. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la wilaya de Wirgla. Vous voulez que la direction, encore une fois, la France, Créteil, où se trouve notre envoyé spécial, Leïla Djebbour. Leïla, bonjour. Qu'en est-il de la participation, justement, en France, puisque c'est un pays qui, rappelons-le, où se trouve le bassin électoral le plus important de notre communauté installée à l'étranger? En effet, Walid, je suis plus exactement au consulat algérien de Nanterre. Hier, c'était donc Créteil, et l'affluence de la communauté nationale continue en ce quatrième jour d'élection. L'opération électorale bat son plein et de nombreux électeurs affluent pour accomplir leurs devoirs citoyens au niveau des 5 bureaux de vote mis à leur disposition. Je tiens à préciser que même ceux qui ne sont toujours pas rentrés des vacances votent à travers des
des procurations établies à leurs proches, conformément aux dispositions légales. Beaucoup ont exprimé leur attachement à la patrie via ce scrutin et une participation également marquée par la présence de jeunes déterminés à exercer pleinement leur droit de vote. Une tendance plutôt encourageante pour l'avenir de la participation citoyenne. Tout se déroule actuellement dans de bonnes conditions. D'ailleurs, des moyens logistiques très importants ont été déployés pour permettre à nos ressortissants dans les zones éloignées des bureaux de vote de venir accomplir leurs devoirs. Donc, il y a eu énormément de choses mises à leur disposition, des navettes, des bus, pour donc les rapprocher des centres de vote. Walid. Ben, merci à vous, Leïla Diobo. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis le consulat d'Algérie à Nanterre, plus précisément. Vous avez planté le décor, justement, en parlant de ce dispositif qui a été mis en place avec des bureaux de vote qui ont été multipliés, des navettes de transport, justement, à la disposition de nos électeurs, d'où, justement, tout l'intérêt est apporté à cette consultation populaire. Direction l'Égypte, après la France, direction l'Égypte également, où les Algériens établis dans ce pays également ont effectué leur devoir électoral. Ils sont décidés à justement à exprimer leur voix et leur choix, et par ricochet, consolider et réaffirmer leur lien avec la mère patrie. Je vous propose d'écouter ces déclarations faites au micro de notre envoyé spécial. Nous, كجالية جزائرية بطبيعة الحال نساهم في قطار التنمية هذا من خلال تعزيز أواصر الجالية الجزائرية وتثبيت الهوية الوطنية في الخارج وبالتالي فإن هذا اليوم هو يوم استثنائي يوم تاريخي أيضا بالنسبة للشعب الجزائري ككل من أجل إداء بأصواتهم جينا نشاركوا في الانتخابات ونتمنى إن شاء الله إصلاح بلادنا إن شاء الله والتطور دائما وربي يحفظ إن شاء الله الجزائر. Voilà, c'était les expressions de nos ressortissants établis en Égypte en effectuant leur devoir électoral. Nous avons tout au long de cette émission spéciale, Hassan Qassimi fait un petit peu de la pédagogie, un travail didactique. Nous avons parlé du vote itinérant, mais pourquoi des bureaux de vote itinérant? La portée, la signification. Vous savez, un bureau de vote itinérant est généralement sur le plan spatial doit se déplacer chez des populations nomades, qui sont un peu dispersées dans le grand désert algérien ou dans les localités qui sont inaccessibles. Donc la loi organique portant régime électoral autorise bien sûr la constitution de bureaux de vote itinérants pour pouvoir couvrir un peu toutes ces populations qui sont installées dans le désert, dans de grands territoires, et qui nécessitent beaucoup de temps pour se déplacer, pour prendre contact avec ces populations et leur donner la possibilité, parce que il faut absolument donner la possibilité à ces populations de voter. Donc on ne peut pas priver ces populations du droit de vote. Donc ce qui explique un peu pourquoi c'est l'administration qui se développe et qui prend contact avec ces populations. Maintenant, il y a un deuxième point, il faudrait expliquer pourquoi aussi le vote est avancé au niveau des circonscriptions électorales qui sont installées à l'étranger. Et là, il faut... Six jours de vote. Bien sûr, il faut expliquer pourquoi le vote se fait, est avancé de l'équivalent d'à peu près de 120 heures avant le jour du scrutin. Donc, je reviens également à la loi organique portant régime électoral. Elle autorise d'avancer au niveau de nos circonscriptions électorales installées à l'étranger. Elle autorise d'avancer la date du scrutin de l'équivalent 120 heures pour permettre un peu d'abord à notre population, à notre diaspora algérienne qui vit à l'étranger, de voter et aussi de savoir que c'est notre diaspora vote en Afrique, dans le monde arabe, aux États-Unis, en Asie, en Europe. Et ce qui permet aussi à l'ANI de centraliser les votes
et pour pouvoir un peu établir les procès-verbaux de centralisation des votes. Voilà à peu près sur le plan légal une petite explication des votes itinérants et de l'avancée de la date du scrutin au niveau de nos circonscriptions électorales installées à l'étranger. Ben justement, puisque vous évoquez justement le volet légal, une dernière question. Le silence électoral a été observé depuis hier, minuit, sur 3 jours, jusqu'au jour J. Est-ce que la loi a été respectée par les 3 candidats et le représentant? Vous savez, si nous revenons au compte-rendu de l'année concernant d'éventuels dépassements durant la campagne électorale, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de dépassement durant cette campagne électorale, ni d'infraction à la loi, aux procédures légales. D'ailleurs, tout le monde le dit, c'est une campagne électorale qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans la sérénité, dans le calme, dans le respect de la loi. Et cela n'est qu'à l'honneur de l'Algérie qui, bien sûr, contrairement à ce qui a été prévu par beaucoup d'acteurs subversifs, qui ont tout fait pour essayer de déstabiliser, qui ont tout fait pour essayer de parasiter et qui ont tout fait pour essayer de reporter ces élections à plus tard en installant bien sûr un climat d'insécurité, un climat de désordre. Et cela, bien sûr, c'est des scénarios qui ont échoué, qui n'ont pas, qui ont été bien sûr nos services, notre armée nationale populaire sont là pour veiller au grain, pour veiller à la sécurité du scrutin et pour permettre à l'Algérie d'avancer encore plus fort, plus vite vers un avenir meilleur. Ben merci à vous, Hassan Qassimi. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques et des questions sécuritaires. Un grand merci également à l'autre invité qui était avec nous depuis la France, Nasser Khabbat, qui est président du MODEF Berlin, du MODEF, Mouvement Développement des Algériens en France. Nos envoyés spéciaux un peu partout à travers le monde, notamment Paris, Rome, Berlin, Madrid également, en Égypte, nos envoyés spéciaux également, Montréal, nos envoyés spéciaux également à l'extrême sud du pays, Larouat, Tamdrasset, Bacha. Grand merci à tout le monde. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne journée. Au revoir.